Le prochain gamin qui sonne, je lui marave la gueule. Non, parce que ça, c'est bien marrant quand ils sonnent, ils sont là à donner des bonbons. C'est chiant! Et oui, parce que le 31 octobre aujourd'hui, c'est Halloween! Ouh, des zombies, des fantômes, des vampires! Je sais ce que tu es. Dis-le à voix haute. Un vampire. Ouais, enfin, pas ce genre de vampire. Hein. N'est pas une soirée de pyjama d'une fille de 12 ans. Je reprends donc. C'est Halloween! L'appel des morts avec les enfants qui se déguisent. À 20 minutes. La mort? Les enfants? Il n'y a pas un énorme fossé entre les deux? Rien que là, on remarque que c'est une fête de timbrie. En plus, pour les enfants, cette fête est synonyme de bon bec, de sucre, sans faire péter le bide, de sonner aux portes, dans le déguisement, faire bouh! Mais faut pas oublier qu'avant, il y a une légende derrière tout ça. La fête n'est pas arrivée comme ça, sur Terre. Oh, une fête! Non. Quand on parle d'Halloween, il faut penser à Jack O'Lantern, ou Jack O'Lantern, qui, d'après la légende, est une personne égocentrique, avare, méchante. En gros, le gars, c'est un type palette. Et donc, Monsieur Jack... Dégage! Je disais donc, Monsieur Jack a piégé le gars de la maintes reprises, ce qui lui a valu, le jour de sa mort, être refusé au paradis. Mais aussi, aux enfers. C'est un peu la loose. Il a donc été condamné à errer dans notre monde avec une lanterne à partir d'un navet. Ouais, enfin, c'est plutôt l'histoire qui a l'air d'être un navet, là. Bon, d'accord, imaginons que ce soit la pure vérité. En quoi donner des bonbons à des enfants? Commémore la légende. Il a peur de quoi, le diable? Des sucreries? Des caries? Bah alors, mec, comment on va combattre le diable? Avec un crucifix? De l'eau bénite? Un colt? Mais j'ai encore mieux, gars! Un paquet de bonbons! Wow! Mais t'es plus intelligent que je le pensais, toi! T'es ouais, je sais! Je ne sais pas vous, mais là, cette fête part un peu légèrement en couille. Ou alors, c'est parce que c'est une fête commerciale. Ça marche aussi. Et oui, parce que qui dit Halloween dit fête commerciale! Avec les franchises de bonbons qui s'en mettent plein les poches, et les fabricants de costumes qui s'en mettent plein les fouilles. Puis là, vous allez me dire, oui, mais voilà, les fabricants de costumes, c'est que pour les costumes d'horreur, alors que les bonbons, ça touche toutes les friandises du monde. Et bah non, parce que quand vous voyez une gamine le soir d'Halloween déguisée en fée ou en princesse, bah je ne comprends pas le délire. Parce que pourtant, le monde féerique, c'est mignon, c'est gentil, alors que Halloween, c'est les morts, les cadavres, les zombies. Au fait, comme Disney, tu veux voir quoi? Comme tu veux, hein, ça me gêne pas. Bah, si tu veux, j'ai Peter Pan. Mais attends, mec, mais il y a une fée, quoi, dans Peter Pan, s'il te plaît, quoi. Oh, ça fait peur, les fées. Doucement. D'accord. Donc, un Disney qui fait moins peur que Peter Pan, j'ai la Belle au Bois Dormant. Wow, il y a une princesse dans la Belle au Bois Dormant. Faut pas déconner non plus. Non, le mieux, je te dis, c'est de voir un bon Vendredi 13 ou un Massacre à la tronçonneuse. Ça fait pas peur. Tu fais flipper. D'ailleurs, ces gamins, à chaque fois, quand ils sont à ta porte, ils sortent la phrase magique « Trick or treat ». Voilà, comprendre. Des bonbons ou un mauvais tour, parce que j'ai un accent anglais pourri. Puis là, je suis d'accord, un mauvais tour, ok. Et mauvais tour de quoi? Parce que si tu finis pas ta phrase, moi, je peux pas te dîner. Hein. C'est pourquoi? Des bonbons ou un mauvais tour? Ah oui, ça restait maintenant, mais... Le problème, c'est que... En fait, j'ai pas de sucrerie, j'ai rien du tout, bah, même pas un bonbon que dalle. Ah bah, mauvais tour. Et au lieu de se rendre, il y a ce doigt là, il va passer sur l'autre main. Attention, c'est parti. Non, je vais réussir, mais... Attention, regardez cette main là. Cette main là, avec l'index levé, attention, regardez. Oh putain, je vais réussir, attendez. Attention, l'index levé, oui, regardez. Non, c'est bon, arrête. J'ai passé, j'en ai. D'accord? Bouge pas. Je reviens. D'accord. Merci. Ça fonctionne toujours. Donc en résumé, Halloween, c'est une fête pourrie. Sauf pour les dentistes. Parce que je crois que cette journée-là, pour eux, c'est l'équivalent de 2 ans de salaire minimum. Donc du coup, j'ai trouvé ma voie. Prochainement, je serai dentiste. Ouais, enfin, sauf que pour être dentiste...
Il faut faire médecine. Ouais. Enfin, caissier chez Auchan, je crois que c'est bien aussi. Ça rapporte moins, mais c'est sympa, c'est cool. Si toi aussi tu en as marre que des gamins viennent sonner chez toi le 31 octobre alors que pour toi, c'est une journée normale, tranquille, comme les autres, et que tu veux te détendre sur ton canapé, eh ben partage la vidéo. Et si ça ne te suffit pas, tu peux toujours aller sur mon blog, t'abonner sur ma chaîne pour avoir mes nouvelles vidéos et devenir fan de ma page Facebook. Non, parce que voilà quoi, moi je tombe des choix et... Oh putain, je veux le marrer avec sa gueule et exploser sa tronche. Il va voir que les fruits et légumes, c'est mieux que les bonbons. Si je reviens sa pêche aujourd'hui, oh si, je vais mettre une belle prune. Mais bon d'accord, imaginons que ce soit la pure vérité. En quoi donner des enfants à des bonbons? C'est ce que j'allais dire. Et c'est totalement con. On va recommencer.